Jean-Michel Jarre porte quelque chose d'un peu plus volumineux que vous avez apporté. Daniel, en fait, quand il ne tourne pas, je l'emmène toujours avec moi quand il veut bien. Vous allez bien ensemble. Hein. Oui. Mais oui, je crois que vous me donnez l'adresse de votre coiffeur qui doit être le même, j'imagine d'ailleurs. Mais c'est pas le même que le vôtre, en l'occurrence, manifestement. Et alors moi, j'ai apporté effectivement une petite valise. Qui porte bonheur, voilà. Qui n'a pas été offert par votre grand-père, qui était musicien pourtant. Oui, mais qui est. Alors, d'habitude, je mets des tennis, je mets un rasoir, je mets tout ça. Et là, en fait, il s'agit d'un. Instrument, comme je vais faire. C'est en fait le premier, un des premiers synthés dans une valise très James Bond. Voilà, théoriquement. On peut même arriver à faire. Oh, on ne peut pas vraiment faire beaucoup de musique avec, mais on peut arriver à faire 2-3 sons. Quand même. C'est de quelle année cet engin? C'est du début des années 60. Ah, quand on ne sait pas quoi répondre, aux questions posées. On peut éclater de rire. Voilà, on peut faire des tas de. Voilà. Et alors, ça, c'est un petit. Donc, c'est un des premiers petits synthés, voilà, comme ça. Quel objet est très beau. Ah ouais, il est très très beau, voilà, quand on parle. Les sons qui sortent ne sont pas inoubliables, mais ce qui est amusant, c'est que c'est une. On peut l'emmener partout. Vous avez déjà servi pour un album ou pas celui-ci? Oui, il y a un ou deux sons que j'ai mis dans un album une fois. Et il faut trouver le nom de l'album. Voilà, et à ce moment-là, on gagne un disque de. Oxygène, le premier, 77, non? Voilà. Pour le premier album? Pour votre premier album? Éventuellement.